Eh bien, salut YouTube, salut les abonnés, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se trouve sur The Forest. Et ouais, il y a des petits filous, des petits filous, des abonnés de ma chaîne YouTube qui sont fans de The Forest. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas continué l'aventure qu'on avait commencé. Souvenez-vous, il y a fort longtemps, on avait commencé à créer ça. Ici, je voulais créer une espèce de petite maison assez stylée. Là, c'était vraiment le camp de base dans lequel on se mettra en sécurité. Donc là, le but premier, c'est de terminer ça. Donc là, j'ai vu que j'ai dérodé. Hein. Je me rappelle plus trop de tout ce que je voulais faire. Et là, sinon, c'est pas le briquet que je voulais sortir, c'est ranger ça. Donc là, le but, c'est qu'on termine déjà un petit peu ce qu'on devait faire. Donc, on va descendre là. On va assembler. Voilà, on va terminer ça déjà. Ce serait déjà une grande première. Voilà, parce qu'après, je voulais le faire venir là, il me semble. Ouais, c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire un petit truc comme ça. Le refaire revenir sur le côté. Alors ce qui est plutôt étonnant, c'est que les arbres n'ont toujours pas bien repoussé depuis la dernière fois. Donc, ah ouais, je crois que c'est en passant la nuit que ça repousse. Faut déjà y chasser aussi quelques brebis, ce genre de conneries quoi. Parce que j'ai entendu un petit invité qui a lâché un petit cri bizarre. Oh bordel de merde, ça par contre ça m'a fait flipper au moment où je dis ça. Ah, il m'a pas rassuré celui-là par contre. Oh, le cri de bâtard qu'il a poussé. Ouais, bon, j'irai pas trop faire l'asile non plus. Hein. On va pas essayer trop loin de la maison parce que... crotte au cul, quoi, tout simplement. Quoi. Oh, le cri de bâtard, cet enfoiré. Bon, on va casser cet arbre. On va faire des rondins. Ouais, si j'étais un peu plus proche. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, j'ai jamais fini The Forest, voyez-vous. J'ai jamais terminé, en fait. Étant donné que c'est plutôt compliqué, je trouve assez dur comme jeu. Et assez flippant aussi. Quand tu te fais attraper par ces petits salopards, là. Tu fais moins l'ASD, quoi. Quand je travaille dans la grotte tout nu, tu dois retrouver ta hache, tu dois retrouver ton briquet. T'es moins serein, on va dire. D'ailleurs, le détenu me rappelle drôlement ma mère. J'en profite pour dire ça, ce qu'elle est juste à côté. Si vous voulez, elle fera un live un jour. Sur cette forêt, ce serait mordaire. Bon, tu coupes cet arbre ou quoi, frère? Frère, c'est... Il faut qu'il tombe cet arbre à un moment donné, tu vois ce que je veux dire? On peut pas continuer comme ça. Genre c'est là, ah j'allais dire c'est l'arbre le plus costaud que j'ai jamais vu. Ah oh, c'est tellement bien fait ça. Je kiffe trop comment ça tombe et tout, c'est trop stylé quoi. Alors ce qu'on va faire, on va remplir les... ouais pourquoi pas ce petit truc là, on va s'en servir. Oh, allez. Ça va me servir comme ça, je rapprocherai tout, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Pour la suite. Hop, un petit lapin. Ouais, je fasse des petits pièges aussi pour attraper les petits rongeurs là, ça me serait vachement utile. J'en profite, il fait jour. Ouais, que quand il fait nuit, j'ai pas spécialement envie de sortir quoi. Parce que quand il fait nuit, c'est la nuit noire. Là. Ah, un petit salopard. Hop. Et non. Remets-toi. Allez, go. Ouais, vous voyez, j'avais commencé à casser quelques trucs, c'est vrai que j'étais... Ça c'est typique, typique humain ça, tu sais, t'arrives dans un endroit paradisiaque, enfin paradisiaque, c'est pas un paradisiaque, mais... Et puis on commence à couper tous les arbres pour faire des maisons à la con. Ça, c'est pas le jeu écolo ça, tu vois. Ah, des bruits bizarres là, pas envie de me faire attraper l'anus, moi. Attention quand même. D'ailleurs, pour ceux à qui ça intéresse, je prendrai le temps tout à l'heure de faire une petite compile de toutes les vidéos The Forest et je ferai une playlist pour ceux que ça intéresse. On avait bien commencé The Forest à l'époque avec mon cousin, mon frère Patrice d'ailleurs, qui il y a un passage de grand chasseur assez rigolo. Je vous ferai une petite compile si vous le souhaitez. Oh, j'ai entendu un petit bruit là derrière moi. Tranquillou, hein. Enfin, je chope des oiseaux aussi, ce serait vraiment pas mal. Des petits oisillots.
Ah, par contre, il est vraiment beau ce jeu. Pour un jeu qui a été fait en 2013, mais putain, j'entends des bruits bizarres. Ah, ça doit être moi, ça doit me travailler comme je sais. Bonjour, petit oiseau. Merde, il s'est barré. Petit oiseau. Je reprendrai peut-être aussi Subnautica NC4. On fera peut-être du Subnautica en live NC4. C'est un jeu que j'adore, j'en suis vraiment loin. Je me suis pas encore enfui de la planète. Le problème, c'est que je me rappelle totalement pas du tout de tout quoi. C'est un peu comme The Forest, vous voyez, quand ça fait longtemps que je joue pas à un jeu, moi mon cerveau n'a pas la capacité de mémoriser trop de choses à la fois. Donc, voilà ça. Il est vraiment beau ce jeu. J'avais vraiment zappé qu'il était aussi beau. Alors ça fait partie des jeux que j'attendais avec impatience à l'époque. Tu sais, c'est l'époque où c'est que j'attendais le jeu en même temps que DayZ. Il y a aussi Stand Deep que je voulais trop, mais bon, hélas, qui ne sortira jamais sur console. Il y a Subnautica 2 aussi. Putain, qu'est-ce que j'aimerais trop celui-là, quoi. Là, bientôt, il y a du Rust. Alors là, Rust, les gars, je vous dis de suite, on va le poncer, sa grand-mère. On va se régaler dessus, sur Rust. On fera des petits lives, des petits trucs comme ça. Ça va être sympa, vous allez voir. Bon, pour l'instant, il sort pas maintenant, mais quand il va sortir, ça va être good. Il en faut encore ou pas? Ouais, non, là, c'est juste la corde qu'il faut. Ah, la corde. Est-ce que j'ai de la corde? Alors ça, je ne peux vous dire. Ah non, j'ai supprimé la corde. Ah, moi, je suis vraiment un débile. Merde. Ouais, il faudra que j'en fasse une de corde. Là pour le moment, ce qu'il faut... Ah bien, il y en a un là-haut, non, je vais pas arriver, ou c'est un lézard là. Ah, il y a un lapin, putain, je pourrais pas l'avoir. Viens là, toi, Gertrude, viens ici. Ah, salopard. Saligo. Vas-y, je vais pas perdre mon temps à te chasser. Alors, nous, ce qui nous intéresse là, merde, comment je fais pour sortir le livre? Voilà, je me rappelle plus. Ok, c'est comme ça. Alors là, nous, ce qui nous intéresse, c'est pouvoir continuer à faire un petit pont qui reliera la maison, totalement la baraque. Donc, c'est ça, voilà. Hop, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est réussir à le faire descendre. Ah ouais, merde, je dois faire tout un tour. Ah ouais, ça, c'est pas intelligent de ma part, ça. Ah ouais, pas du tout, même. Est-ce que je peux le faire comme ça? Ouais, mais non, ça va... Ah si, peut-être qu'on va tricher un peu. On va tricher un peu, on va gratter. Au pire, la corde, je la déplacerai. Je gratte un même si vous. Ah non, j'aurais peut-être pas besoin de déplacer la corde, mais est-ce que je pourrais remonter? Bon, on s'en branle, de toute façon, c'est vraiment histoire de. C'est vraiment de la merde ce que je viens de faire. Et on s'en fout, on va le terminer comme ça. C'est la merde. Ça va être chaud, ouais, de terminer tout ça à temps. Ça, il se met où là, cela? Ah, au fond. Ça, c'est la magie, ça. Tu sais, tu pars d'ici, mais ça se met là-bas. Ah, il y a un petit salopio qui a construit un truc ici. Moi, je veux pas de ça, moi. Allez. Il va falloir que j'aille boire. Il va falloir que j'aille pêcher aussi. On va aller pêcher aussi. Je coupe ça et on va aller pêcher. Non, on va le faire ça maintenant, parce que s'il faut les pêcher et voir tout ça... où c'est qu'il est, mon long bâton? Je crois que j'avais un long bâton équipé. Ouais. Je sais que j'avais un coin pour pêcher. Je me serais pas installé là si j'étais trop loin de tout. Oh, je me suis fait peur moi-même. Donc là, on a une grotte. C'est pour ça que je m'étais installé là aussi, par rapport à la grotte. Oh bordel, un tout nu. Il nous observe. On en profite pour manger. Il doit bien avoir une fontaine, un truc comme ça. Merde, ça apparaît, je croyais qu'il y avait un trou. Ah oui, je dois bien avoir fait une fontaine. Un petit lac là, vous voyez, petit lac à la con là. Ah, je me serais jamais installé là s'il n'y avait pas de petit lac à la con. Bon, là, il y a la mer, il y a quoi là? On va regarder un peu ce qu'il y a là au niveau de la mer. Est-ce que c'est. Parce qu'au pire, ce que je pourrais faire, je pourrais descendre.
Ah, on n'est pas loin de ça. Ah ouais, on peut avoir des trucs de tortue pour récolter l'eau. Ah ouais. Bah, attendez, on va aller faire un petit tour. Ah ouais, on n'est pas loin. Ah ouais, ça c'est pas mal, ça pour avoir les tortues. Non, par contre, le bâton, tu jettes pas, mon pote. Hein. Ah ouais, là on n'est pas loin des. Ouais, parce qu'on arrive à avoir des carapaces de tortue. Déjà ici, il y aurait une cassette, il y aura des trucs. Si on arrive à avoir des carapaces de tortue, ce serait vraiment nickel pour récolter l'eau. Ça m'éviterait de devoir trouver une petite fontaine, un petit 20. Normalement, les tortues séquestrent un bal par là. Je sais pas si j'y suis passé. Ouais, non, je suis pas passé encore ici. Alors sur une autre partie, je suis installé ici, mais qu'est-ce que c'est la merde, les gars, je vous dis de suite, c'est grave la merde. Regardez, ça, j'ai pas trouvé encore. Eh ouais, j'ai pas encore trouvé ça. Écoute, on va pas trouver des bouteilles de coca et tout, ça c'est intéressant ça. Ah ça par contre c'est très good, ouais voilà, ouais, des habits, des trucs, hein, on aura des fringues qu'on pourra avoir plus tard. Hein. Donnez-moi ça, des piles, ouais, ça c'est intéressant ça. Allez. Ouais, du scotch, ça c'est cool, du tissu, on pourra faire de la corde. Si je me rappelle bien. Des cachets, ça c'est primordial les cachets, vous le savez. Même pas un petit coca, un petit truc à la con, ouais, voilà, un petit truc à bouffer au moins. Si je dois partir, j'ai de quoi. Ouais, voilà, nickel. Normalement, il y a des petites tortues ici qui viennent. Enfin, des petites tortues, elles sont quand même assez grosses, c'est des tortues de mer, hein, donc évidemment, c'est pas des bébés tortues. Et si je me rappelle bien, il y a un fucking requin ici dans l'eau, donc si on monte là-haut, il va falloir faire vite. Alors j'aime pas trop ça, hein, je vais pas vous mentir. Ça me fait un peu flipper, j'ai toujours peur moi de l'eau, surtout quand je sais qu'il y a des requins. Regardez les tortues, elles vont sur la mer, cool, elles vont sur la mer, elles vont sur la plage. On aura de quoi les défoncer. Vite, vite, monte. Waouh putain, moi j'ai peur de ça, vite, allez, monte. Mais monte frère! La conde. Putain, il voulait pas monter ce connard. Bon, ça c'est cool, c'est bon à savoir. Voilà, regardez, on récupère des monnaies. Alors, les monnaies, c'est pour le fusil. Hein. Il y a une espèce de. Oh. Ah merde. Ils ont mangé une tête. Ah, ça c'est con ça. Il y a pas mal de trucs. Ah ouais, là, il y avait ça que j'ai jamais réussi à ouvrir à l'époque. Ouais, ça c'est. Ouais, je me rappelle de tout ça. Ah, j'en étais loin quand même dans une des parties, mais en fait c'était ultra abusé en fait. C'est qu'on avait aucune chance de survivre, hein, mais littéralement. Hein. En fait, on avait les ennemis qui spawnaient à l'infini. En fait, on s'est retrouvé vraiment submergé par les ennemis. On s'est vite fait enculer quoi. C'était impossible quoi. On avait les gros trucs là qui nous tombaient sur la gueule. C'était de la corde. Ça, on crache pas sur la corde, les gars. On pourra faire un petit bateau aussi, on pourra aller au loin, il y a des petites îles à la con là, où aller. Là, voilà, le but c'est vraiment qu'on trace parce que le requin va nous tomber sur la gueule. S'il n'est pas déjà derrière moi. Alors moi je trace, je regarde pas parce que ça me fait flipper. Viens là, tortue, viens. Voilà. Pas confiance. Est-ce qu'il y en a une qui est allée au bord de la mer? Allez, ce serait cool quoi, avant d'aller se coucher, d'avoir une petite turtle là. Une petite tortelle à se mettre sous la dent, quoi, tu vois ce que je veux dire, bébé. Oh, une étoile de ta mère. Un petit caillou. Je prends. Je prendrai aussi une tête de requin pour faire. Voilà par quoi je me trimballerai pas la nuit. Hein, donc, soit la tortue elle se ramène vite et je me casse à la base, moi. Ouais, on va se casser. Je prends pas le risque. Solo, moi, je fais pas l'ASD, moi. C'est mort mon pote. Je vais regarder quand même s'il n'y en a pas une qui arrive, il y a la mer. Ah si, il y en a une qui arrive. Yes. Allez, viens tortue. Viens ma grande. Voilà, très bien. C'est bien, allez. Reste là. C'est pas grave, tortue. Désolé. On va voir les tortues. C'est horrible. Voilà. C'est horrible de faire ça, mais on n'a pas le choix. Et on se casse vite, 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 on se barre. Allez. Non, mais non, fais pas. Mais non, t'es pas sérieux. J'ai découpé pour là, ça truc. Il y en a une autre. Ah, mais la tête, je m'en bats les couilles, ce que je veux.
Allez, vite, vite, vite. Qu'on va devoir se barrer, qu'il va faire nuit. Je vais me faire enfiler par des tout nus, là. Mais c'est une carapace qu'il me faut. C'est pas la viande, ouais, c'est intéressant, c'est cool. Mais c'est surtout la carapace qu'il me faut. Ah, j'en avais déjà une. Vite, allez, on se barre. On se barre vite à la maison. J'ai le petit bâton, je vais pouvoir créer le petit truc d'eau qu'on va mettre directement à l'intérieur de la base pour être protégé, que si on se fait attaquer et qu'on n'ait pas besoin de sortir pour boire. On se barre direct. Parce que là, je suis pas rassuré, vous voyez ce que je veux dire? Oh merde. Allez vite, Jean-Paul Goyer. Gauthier là. Jean-Paul Goyer, ça n'existe pas Goyer. Là par contre j'ai peur là. Vite, on mange vite fait. Truc à la con là, parce que la nuit par contre ils sont ultra énervés, surtout que je suis en train de décimer la moitié de leur forêt, chose qui va énerver encore plus. Oh mon dieu, s'il a crié en plus, ils font des petits cris de bâtard en plus. Ah mais quand il marche lui, c'est pire qu'une tortue le bordel. C'est courir qu'il faut faire. Ah, je me sens un peu plus en sécurité là. Vite, on va faire dodo. Est-ce que je peux faire dodo là direct? Allez, on fait dodo. Désolé pour le train. Il y a le train qui passe. Ce n'est pas de ma faute. Là. J'ai la fenêtre ouverte, donc du coup si vous attendez un gros bruit de train, ne vous inquiétez pas, c'est pas le jeu, c'est normal. Allez, donc là notre but c'est... donc on va regarder, on va créer un truc à la con, on a une truc de tortue. Donc là c'est directement les ressources d'eau qu'il va nous falloir. Voilà, c'est ça, bingo. Alors on va le placer, on va le placer là, ça me semble à peu près judicieux, voilà. Et voilà, est-ce que... Wow, il y en a une autre là-bas, moi on s'en fout. Voilà. Je me suis couché. Ouais, ok, j'aurais dû attendre peut-être un peu, je peux pas passer la nuit. Ah ouais, non, je peux pas passer la nuit encore. Et ouais, il faut que je remplisse la barre blanche pour passer la nuit, c'est vrai, je m'en rappelle plus. J'ai juste sauvegardé. Putain, j'ai juste sauvegardé sa mère. Sa mère la mouette. Bon les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir que je retourne un peu sur The Forest. Alors, vous inquiétez pas, je vous referai des vidéos, bien entendu. Si ça vous plaît, hein, si vous en voulez, j'en referai d'autres. Sinon, ben, au pire, j'arrête The Forest. Et puis voilà, moi, je jouerai de mon côté, je garderai ça pour moi. Ou alors, à la limite, pour les lives, ça pourrait être intéressant. En tout cas, je vous remercie d'être toujours aussi nombreux sur la chaîne YouTube. Ça me fait extrêmement plaisir. On est 707, donc c'est ultra important. Je remercie les personnes qui vont sur Utip, les personnes qui rejoignent mon Discord, comme ça, on peut parler, tout ça c'est drôlement sympa. Puis voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis ciao ciao et n'oubliez pas, c'est vous les meilleurs, que Dieu et Tortue vous gardent. Ouais, allez, bisous. Ça va chier pour moi je crois.